OK. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par un outil qui est très pratique, très utile dans la gestion de cours en ligne. Ça s'appelle OneDrive. OneDrive, c'est-à-dire que c'est un élément du pack Office et qui sert à stocker. C'est un espace de stockage virtuel dont dispose chaque utilisateur. Et donc, c'est important de savoir comment est-ce qu'il fonctionne et comment on peut s'en servir. Et donc, c'est par ça qu'on va commencer. Alors, comment aller sur OneDrive? Comment se connecter à OneDrive? Alors, dans un premier temps, il faut aller dans un navigateur. Vous voyez que là, il ne s'agit pas de Teams du tout. Teams n'est qu'une composante. Voilà, c'est ici, il s'agit de OneDrive. Donc, vous allez dans un navigateur, n'importe lequel. Ici, c'est moi, je suis dans Chrome pour aller dans Mozilla. Edge, et puis tout à fait ici dans la barre d'adresse, je vais taper portal.office.com. Donc, quand moi je commence à taper ça, ça écrit tout parce que j'ai l'habitude de taper ça. Mais si c'est la première fois où j'aurais bien de taper ça en intégralité, et donc vous tapez portal.office.com et pour que vous voyez ce que j'ai fait, je vais partager ça avec vous. Voilà. Donc vous allez dans le navigateur. Ouais, ici, pour moi, c'est Chrome. Et dans la barre d'adresse, je vais taper ceci. C'est ça. Voilà ce que je dois taper exactement. Portal.office.com. Exactement. Bien portal, pas, il n'y a pas de i, c'est pas portail. Donc portal.office.com. Je tape ça donc dans. Voilà, dans la barre d'adresse ici. Dans mon navigateur. Voilà, donc je tape ça dans la barre d'adresse. Portal.office.com. Vous voyez ici l'intérêt, l'important, c'est que ici, je ne suis pas censé être sur mon ordinateur à moi. Peut-être que je suis en déplacement. C'est pas mon ordinateur, mais j'ai bien de faire urgemment un cours ou bien quelque chose sur la plateforme. Donc, je me connecte sur un navigateur, ça peut être dans un cyber, n'importe où. Donc, je viens dans la barre de navigation et je tape portal.office.com et je valide. Alors, donc, si vous validez ça la première fois, on va vous demander de vous authentifier. Parce que voilà, vous avez, c'est votre compte institutionnel qui vous permet d'accéder à ça. Et donc, on va vous demander votre compte institutionnel. Alors, le mail que vous avez, @ufhb.edu.ci. Et donc, vous allez entrer ce mail-là. Ensuite, évidemment, on va vous demander le mot de passe voilà, que vous allez donner. Et donc, vous allez vous retrouver sur cette page-là. Alors, c'est marqué bonjour, on vous dit bonne arrivée. Et sur cette page, vous voyez, c'est marqué Office 365. Vous avez ici Word, Excel, PowerPoint, Outlook, enfin, toutes les applications sont là. Et ça veut dire qu'en fait, quand j'arrive ici, c'est quoi, tu as dit portail, c'est comme c'est un portail qui vous donne accès à tout Office, à toutes les applications voilà, de Microsoft. On voit que déjà la première ici, c'est Word. Ça veut dire que même si sur l'ordinateur que j'ai, il n'y a pas Word dessus, donc ici, il suffit de cliquer sur Word, puis j'aurai ma page Word et puis c'est mon texte. Il n'y a pas bien de savoir si. Sur. Excusez-moi une minute. Et allô, professeur? Oui, bonjour. Est-ce le bon endroit? Il est avec A? Non, actuellement, je suis en. Non, non, non. Oui, on a commencé. On a commencé. Oui, excusez-moi, il y a le professeur Kouabou qui me faisait comprendre qu'il y a le chef de département qui essaie de nous rejoindre et qui n'y arrive pas. Donc, je pense qu'il va. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. OK, donc,
ici, ce portail donc donne accès à toutes ces applications de Office. Donc, il y a Word, Excel. Et donc, ici, je n'ai pas besoin d'avoir mon ordinateur à moi. Et même si ce n'est pas sur l'ordinateur en question, je peux les lancer à partir d'ici. C'est ça l'avantage de, voilà, d'Office. Donc, le mail vous permet d'accéder à toutes ces applications-là sur n'importe quel ordinateur. Voilà, même Teams. Vous voyez qu'il y a ici, ou là en bas, il y a Teams. Parce que je peux que vous soyez en déplacement. Vous avez un ordinateur avec une connexion. Mais si l'ordinateur, l'ordinateur n'est pas à vous, et donc certainement, il n'y a pas Teams dessus, ce n'est pas installé dessus. Donc, vous n'allez pas demander au propriétaire d'installer Teams dessus, non. Donc, vous n'avez pas besoin que ce soit installé. Donc, vous connectez dans le navigateur, et vous venez là, dans le portail, et vous voyez, il y a Teams. Et donc, je lance Teams directement. Ça, c'est l'application web de Teams. Ce n'est pas celle de bureau. Certainement, vous êtes connecté à partir de l'application qui est sur votre bureau. Donc, c'est ça l'avantage de passer par ce portail-là. Et ça donne accès à toutes ces applications. Donc, il y a Word, Excel, autres. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est celle-là. Voilà, ce nuage bleu-là. Voilà, c'est marqué OneDrive. OneDrive, donc, en ce moment, je clique dessus. Voilà, OneDrive, ça c'est l'espace de stockage, voilà, virtuel. Et chacun de vous a cet espace-là. Et il est énorme, il fait 1 teraoctet, c'est-à-dire 1000 gigas. En général, c'est même plus que l'espace de stockage de votre ordinateur. Donc, vous avez 1000 gigas à votre disposition pour stocker toutes vos données. Et donc, ce qu'il faut voir que là, je suis dans... Voilà, dans mon espace de stockage, qu'on appelle donc OneDrive, ici déjà, c'est ouvert, on doit mes fichiers. Voilà, tout ce qui est là, c'est moi qui ai déposé tous ces documents ici. Et donc, vous, si c'est pour la première fois que vous arrivez là, donc évidemment, ici, il n'y aura rien. C'est rare, puisque votre espace, c'est comme votre clé, votre mémoire donc, de stockage, il n'y a rien dessus. Donc, ça sera vierge ici. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est de charger. Vous voyez ici? Donc, je clique là et puis je charge. Voilà, donc, on me demande qu'est-ce que je vais charger. Je vais charger un fichier ou bien un dossier. Et donc, c'est à moi de voir. Donc, je clique sur fichier. Et donc, en ce moment, il va m'envoyer, il va me dire, il faut que j'indique là où se trouve le fichier dans mon ordinateur. Donc, il va ouvrir une fenêtre pour me permettre, voilà, de charger le fichier. Vous voyez qu'ici, on m'ouvre, voilà, une fenêtre. Vous voyez que je peux librement choisir, voilà, un fichier, n'importe quel. Un fichier n'importe quel ici. Donc, je prends par exemple ça, formation Teams. Voilà, c'est un fichier pour lequel. Voilà, je clique dessus deux fois et puis donc ça va se retrouver dans mon. Voilà, ouais, c'est marqué un élément a été chargé avec ce. Ouais, que le document apparaît ici en haut. Formation Teams TP2. Donc, il vient de charger ce document qui était dans l'espace de stockage de mon ordinateur, je viens de le mettre dans mon OneDrive. Cette fois-ci, il est en ligne, en fait. C'est-à-dire que même si je fais mon ordinateur, je vais n'importe où, à l'autre bout du monde, que je me connecte, j'aurai accès à ce document. Et c'est ça l'intérêt de cet espace-là. Et donc, ce qu'il vous faut en ce moment, donc, c'est de charger sur cette forme-là. Et puis, on peut charger des dossiers. Peut-être que ce n'est pas la peine de le faire. Si vous avez plusieurs fichiers, on ne va pas les charger un à un. Et donc, on peut chercher des dossiers carrément. Donc, ici, dossier. Donc, s'il y a des dossiers qui contiennent des éléments, donc, je les charge. Et donc, tous mes documents importants de l'ordinateur. L'idéal, c'est, que, donc, c'est de déposer ici presque tout le contenu de votre ordinateur. De sorte que quand vous êtes hors de la maison, donc, vous avez accès en réalité à toutes vos données. Et en plus, par précaution, on ne sait jamais. Si l'ordinateur prend un coup, on n'a pas trop de soucis à se faire. On sait qu'on n'a pas perdu. On n'a pratiquement rien perdu. De toute façon, on a toutes les données qui sont stockées ici. Et comme il est dit, c'est un espace qui est énorme. C'est 1 teraoctet, c'est-à-dire c'est 1000 gigas. Donc, en général, vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc, il y a la place pour stocker là toutes vos données. Et ça, c'est très, très important, cet espace-là. Donc, la première des choses, c'est de déposer ici toutes vos données, tous les documents, tous les dossiers importants qui sont dans l'ordinateur. Il faut, voilà, les charger ici. Et une fois qu'ils sont là, ils sont désormais accessibles partout voilà, où vous êtes. Et dès que vous avez une connexion, vous pouvez accéder à ce document-là. Voilà, ce n'est pas à la maison, ce n'est pas au bureau, vous voyez que ce n'est plus un souci. Et donc, et dans ce sens,
Une fois que ça s'est fait, donc ici on a chargé tous les documents, toutes les données de l'ordinateur sont désormais dans le OneDrive. Et donc, ils sont désormais accessibles partout à partir d'un navigateur. Alors, ce qu'il faut ensuite pour être complet, c'est de installer cette application OneDrive-là sur votre smartphone, sur votre téléphone. En général, aujourd'hui, on a soit des Android ou des iPhones. Et donc, si c'est un Android, il suffit dans le Play Store et vous tapez OneDrive exactement comme ça marche là. Tapez, donc vous installez, c'est gratuit, il n'y a rien de choses. Et donc vous l'installez sur votre smartphone, que ce soit un iPhone ou bien un Android, il n'y a pas de problème, ça passe. Donc vous installez sur le téléphone. Alors l'intérêt c'est quoi? Vous voyez qu'en général, le téléphone n'a pas de capacité. Bon, en général, ce n'est pas énorme comme capacité pour le téléphone. Et donc, en général, on ne peut pas mettre grand-chose dedans. Mais si j'installe OneDrive sur mon téléphone, l'intérêt, l'avantage, c'est que désormais, tout ce que je viens de déposer ici, voilà, dans mon OneDrive sur mon ordinateur, j'aurai accès aux mêmes documents sur mon téléphone. Puisque, en fait, ils sont en ligne. Et donc, avec le téléphone, j'ai accès à ces documents-là. Et donc, du coup, c'est que même avec mon téléphone, je peux accéder à ces différents documents. Est-ce qu'il encore une minute, s'il vous plaît? Oui, allô? Allô? Oui. L'écran est partagé actuellement, je n'ai pas l'état des lieux. Avant de commencer, j'étais trois. Oui. Ah, oui. Oui. D'accord. Ah bon? Ça passe pas? Psycho A, hein? Psycho A. D'accord. Monsieur, donc, il semble qu'il y a le chef de département, monsieur Outhémé, qui n'a pas nous rejoint. Je vais essayer de l'inviter. Je viens juste de rejoindre le groupe. Ah, d'accord. Voilà, je OK. viens juste parce que j'étais allé à la séance 3 au lieu de Ah, commencer par d'accord. à La me séance voir. 1. Donc là-bas, OK. j'étais seul. Donc Ah, OK. Vous j'étais étiez seul seul. là-bas. Vous étiez tout seul là-bas. Ah là là, dommage. Donc, J'ai des collègues aussi oui. qui sont là. Ils Oui. n'arrivent pas parce qu'ils n'avaient pas certainement reçu le lien. Ah bon? Donc, ils sont là avec moi. Oui. Ils veulent rejoindre la réunion, mais Oui. ils n'ont pas ce lien-là. Donc, je ne sais pas comment on peut faire pour que je puisse. Bon, mais actuellement ils sont connectés sur la plateforme. Ou bien Oui, ils sont connectés. Peut-être qu'ils ne sont pas au bon endroit. ils sont inscrits dans le groupe A. Dans le groupe A, oui. Il y a Madame Conné. Oui. Moi, j'ai mon nom dans le B, mais comme je suis en séance, Oui. Il y a aussi procès. OK. Mais OK, la première des choses, déjà, s'ils sont dans le groupe A, est-ce qu'ils sont sur Teams en ce moment? Est-ce qu'ils sont sur Teams? Oui, madame connaît, vous voyez les sous-titres, lui aussi les sous-titres. Oui, elle va dans l'équipe Psycho A, voilà, séance 1, dans le premier canal là. Et C'est il y ça, oui. aura, voilà, il y aura l'annonce, on va l'inviter, il y aura un encadrement où on va l'inviter à rejoindre. D'accord. Donc, Mais est-ce ce que que je voulais tu... savoir, moi, comme j'ai reçu ce lien-là, je peux le transférer pour qu'ils puissent l'utiliser. Oui, sans problème, c'est-à-dire que vous pouvez les transférer. C'est-à-dire même à partir d'ici. En fait, c'était plus simple pour eux de rejoindre à partir de la plateforme s'ils sont déjà dans le groupe. Parce que là, ils ont, enfin, on peut dire tous les droits. Ils peuvent pleinement
manipuler comme ils veulent. Sinon, si vous pouvez leur envoyer les liens, ils auront accès sans problème. D'accord, je vais le faire tout de suite. Je vais transférer le. Attendez, je. Bon, je vous ai envoyé. Non, dans votre mail. Ok, d'accord. Donc je vais leur envoyer. Vous leur avez envoyé le lien. D'accord, là c'est bon. Donc on peut. Ok. C'est bon, je suppose que Yvon pourra nous rejoindre maintenant. Oui, je pense que je vais vous envoyer. Je vous envoie. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas c'était pas touché la télécharge. Votre boîte, oui. Oui, c'est déjà la télécharge. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, avec le lien, il doit pouvoir nous rejoindre sans problème à mon avis. Donc on va continuer. Vous pouvez commencer. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc on était sur l'espace de stockage OneDrive. Alors donc je disais que avec donc ces soucis de connexion, donc je pense que maintenant c'est bon. Alors donc je disais que l'espace de stockage OneDrive, il est très pratique. Il nous permet donc de stocker toutes les données de notre ordinateur, voilà, dans un espace virtuel, de sorte qu'on puisse y accéder, voilà, partout où on est, même si on n'a pas notre ordinateur voilà, avec nous. Alors ensuite, et donc à partir d'ici, on a vu qu'on sait comment charger les documents, les données dans ce OneDrive-là. On peut charger donc tous les dossiers, tous les fichiers, donc ils vont se retrouver ici. Alors une fois que ça c'est fait, après on prend notre téléphone, le smartphone, que ce soit un Android ou bien un iPhone, et puis on installe l'application OneDrive dessus. Donc, on fait installer OneDrive. Vous allez dans le Play Store, si c'est un Android, vous tapez OneDrive, et donc c'est une application Microsoft, et donc vous l'installez gratuitement. Et une fois que ça s'est installé sur le téléphone, l'intérêt c'est quoi? C'est-à-dire que désormais, quand vous avez juste votre smartphone, vous pouvez accéder à tout le contenu de OneDrive. Donc, vous pouvez accéder à tous vos documents sur votre téléphone. Et c'est ça qui est important. Alors qu'en réalité, ces documents-là ne peuvent pas tenir dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez les manipuler, les utiliser à partir du téléphone. Alors qu'en fait, ils ne sont pas stockés dans le téléphone. Ils sont juste dans l'espace virtuel OneDrive. Donc, c'est très important. Alors une fois qu'on on est venu sur le navigateur, on a ouvert OneDrive, on a chargé tous nos documents importants ici. Après, on va sur le téléphone et on installe l'application OneDrive sur le téléphone. Et donc, en ce moment, après, vous pouvez vérifier. Donc, si vous lancez l'application OneDrive sur le téléphone, vous verrez que vous aurez accès exactement au même document. Et donc, du coup, ça fait qu'il n'y a plus, ça devient très pratique.
Donc, je suis dans la circulation, je suis en ville et puis j'ai besoin d'envoyer un document soit aux étudiants, à un collègue. Donc, avec le téléphone, ben, j'ai accès à mon ordinateur. Pas besoin de dire non quand il sera au bureau, mais quand il sera à la maison. Non. Désormais, on a tout ça avec nous. Même si on n'a pas notre ordinateur, même si on n'a pas le téléphone, il suffit qu'on ait une connexion, on a accès à OneDrive. Alors, donc, ça, c'est très important. Alors, une fois que ça c'est fait, après, il s'agit des documents. Vous voyez qu'ici, juste à côté, c'est marqué nouveau. Je situe dans mon espace de stockage OneDrive. Donc, c'est marqué là nouveau. Nouveau, vous voyez que mais c'est marqué donc nouveau dossier. C'est normal, donc, je peux créer un nouveau dossier et puis réorganiser mon espace de travail. Comme vous voyez, c'est marqué nouveau document Word. Et donc, là, vous voyez, je peux créer un document directement dans OneDrive. Tout à l'heure, on a vu qu'on a chargé des documents qui étaient dans l'ordinateur qu'on envoie ici. Donc, mais finalement, ça veut dire une fois que je suis dans l'espace, au lieu de créer dans l'ordinateur et puis après envoyer là, je peux même créer le document directement ici. Si je veux saisir un document Word ou n'importe lequel, donc je que directement, je reste dans le OneDrive et puis je le crée. Et je lis après, bon, mais il n'est plus besoin de le charger, de l'envoyer ici. Il est créé directement dans le OneDrive. Donc, à partir d'ici, on peut créer Word, Excel, PowerPoint, ouais, bon, voilà. On peut travailler en fait ici directement dans cet espace-là. Et comme l'a dit, l'avantage, c'est même si l'ordinateur n'est pas à vous, que vous êtes travaillé là-dedans, après le document est dans votre OneDrive, n'est pas sur l'ordinateur sur lequel vous avez travaillé. Il est dans l'espace de travail. Et donc, il n'y a pas besoin que ce soit l'ordinateur, ce n'est pas l'ordinateur de quelqu'un, je n'ai pas besoin de mettre une clé après, non. Je travaille dans mon espace de travail. Et donc, tout ce que j'écris comme document, voilà, ils sont directement stockés dans OneDrive. Alors, après, l'une des fonctionnalité importante de cet espace de travail là, c'est que quand vous avez créé votre document, n'importe lequel, un document Word par exemple, je vais essayer d'ouvrir un document Word. Voilà, c'est mon espace, donc bon, ce que j'ai fait, donc, ben, je vais simplement créer un nouveau document pour faire simple. Voilà. Donc, voilà, je suis dans mon espace de travail OneDrive et je vais créer un document, voilà, Word. Ouais, j'ai pas besoin de sortir pour aller lancer Word d'office. Donc, d'ici directement, j'ouvre nouveau et puis j'ouvre un document Word. Il est en train de charger. Il va charger puis me donner la main pour qu'il puisse saisir. Voilà. C'est bon. Donc, pour le document, on va mettre psychologie. Donc, je vais centrer. Donc, c'est un document donc, que j'ai créé. Donc, je mets le titre en gras. Voilà, donc, il y a un document. Donc, je vais mettre le chapitre 1. Donc, voici un document, par exemple, que j'ai créé. Alors, donc, je suppose que
il est terminé. Et tout, tout, ici, c'est marqué directement qu'il est enregistré. Je n'ai pas besoin de... Voilà, dans ce, donc il est automatiquement enregistré. Même si après je ferme, il sera dans mon OneDrive. Alors, donc, ce qu'il faut, l'étape suivante pour, qui est importante ici pour moi, c'est, ouais, là, c'est l'option partager ce document-là. Vous avez fini, vous avez créé un document. Voilà, qu'est-ce que vous en faites? Il est destiné à qui? Voilà. Et comme c'est un document Word, qui peut y accéder et qui aura le droit, par exemple, de le modifier? Et donc, en ce moment-là, ouais, je viens là et puis il y a l'option partager. Voilà, donc j'écris sur partager, c'est-à-dire je vais partager ce document avec, voilà, avec qui? Voilà, et comment est-ce que je le partage? Donc ici, c'est marqué toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Voilà, et si c'est ce que je veux, si c'est ce que je veux, dans ce moment, c'est marqué là A. Donc je mets ici, je tape le nom. Pour l'instant, j'ai avant de taper, donc je clique sur d'abord ça. On voit que quand je clique sur toute personne a le lien, c'est ça qui est écrit. Donc, on me déroule, voilà, toute une liste qui est là. Et ici, ouais, c'est marqué autoriser la modification. C'est-à-dire, je partage avec ces personnes-là et ils auront la possibilité de modifier le document. Ouais, que si je décoche ça tout de suite, c'est-à-dire que je partage, mais ce sera en lecture seule. C'est-à-dire que celui qui reçoit le document, il ne peut que le lien. C'est un document Word, mais il ne pourra pas le modifier. Et donc, tout dépend de comment est-ce qu'on veut travailler la personne, qu'est-ce qu'on veut exactement. Et donc, ici, on a... Ensuite, vous voyez qu'il y a... Il peut modifier, mais après, vous voyez qu'il y a encore une option ici. Si je clique ça, ouvrir en mode révision. Ça, ça veut dire que je... Ouais, tout à l'heure, quand ça s'est désactivé, et que c'est juste autoriser la modification, c'est-à-dire que celui qui reçoit le document, il peut... Il a accès libre, c'est-à-dire qu'il peut modifier le document, voilà, comme il veut. C'est un accès total. Il peut modifier le document à sa guise. Et ça, ça peut être intéressant pour, dans le cadre d'une collaboration. Peut-être qu'on est collègue, peut-être que je propose peut-être un sujet, et puis peut-être que je souhaiterais que mon collègue il puisse contribuer également. Donc, il lui envoie, je conçois, et puis bon, il partage avec lui. Donc, à ce niveau, il va faire ses ajouts, ça va être un peu bon. Donc, ça fait qu'à la fin, on a un document de synthèse bon ou qui contient toutes les contributions par-dessus lesquelles j'ai partagé le document. Donc, souvent, ça peut être intéressant, une forme de collaboration. Ou bien, ça peut être destiné aux étudiants. En ce moment, peut-être qu'on pose des questions et puis on souhaiterait qu'ils répondent sur la feuille. Et donc, c'est pourquoi il faut qu'ils puissent modifier, il faut qu'ils puissent écrire en réalité. Donc, on pose la question, puis donc, ils ont la main pour mettre la réponse dessus. Et donc, pour ça, il faut qu'ils aient l'autorisation pour modifier. Tout dépend de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a connaissance. Ça peut être, si c'est entre collègues, donc c'est le cadre d'une collaboration, on contribue pour avoir un document de synthèse. Si c'est destiné aux étudiants, en principe, en général, on ne souhaite pas qu'ils modifient. Mais si c'est pour leur donner un travail à faire qui doit compléter, donc on va leur permettre de modifier. Donc, moi, je pose ma question et puis juste en bas, il va donner sa réponse. En ce moment, ça peut être intéressant qu'on leur permette de modifier. Alors, donc maintenant, si j'active ça, ouais, là, c'est en mode révision. C'est-à-dire que le document que je partage avec les autres, c'est vrai, je veux qu'ils puissent contribuer, mais je veux garder la main sur mon document. Donc, je souhaite simplement qu'ils fassent des suggestions. C'est-à-dire qu'il peut me faire des suggestions, mais pas, il ne les apporte pas directement. Il peut me dire, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant peut-être qu'on remplace telle ligne par telle, mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on change tel paragraphe là? Il me fait les suggestions, donc il aura la possibilité de faire ces remarques-là. Et moi, en ce moment, je la regarde, et puis c'est à moi de voir si elle intègre dans mon document ou pas. Donc, vous voyez, c'est différent. Avec si l'accès total, c'est-à-dire que directement, il va modifier, il apporte sa contribution. Et ici, en mode révision, il va juste suggérer. Et puis maintenant, c'est vous qui allez voir si vous la prenez en compte ou pas. Donc là, en ce moment, vous partagez, mais en mode révision. Voilà, donc bon, après, vous pouvez définir la date d'expiration. C'est un accès que vous donnez. Est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est dans un délai? Tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc, on peut mettre un mot de passe, ou bloquer les téléphones, autre.
Donc, ça, c'est très important, la gestion des documents avec les étudiants et entre collègues. Et donc, on peut partager de façon limitée, donc permettre à tout le monde de modifier. Comme aussi, on peut sélectionner des personnes. Voilà, dire, bon, voici ceux voilà, à qui j'envoie le document. Donc, voici avec lesquels je vais partager le document. Voilà, une fois qu'on a mis tous ces paramètres et qu'on est d'accord avec, on a, voilà, ici, par exemple, je garde autorisation, autorise la modification. Donc, ils pourront modifier, voilà, comme ils souhaitent. Donc, les paramètres, voilà, c'est donc, à ce moment-là, il peut dire, bon, appliquer. Donc, c'est-à-dire, donc, toute personne qui a le lien pourra modifier. Donc, je peux dire, bon, okay, c'est ce que je veux appliquer. Et donc, là, en ce moment, on revient pour me dire, bon, mais je donne la liste de ceux avec lesquels je veux partager. Donc, ici, c'est de mettre ici n'importe quel. Mais le nom, tout à l'heure, je regarde dans la liste que j'avais. Bon, il va par exemple Ando. Si on y tape ici Ando. Ando Amalama. Voilà, donc que ça sort ici. Ando Amalama Franck. Donc, ça sort. Donc, je prends ça. Je vais prendre après dans ma liste. J'ai Conqueror Kakou Marie-Michel. Ah, Kakou, ça va être 6. Voilà, donc ça sort là. Voilà, donc ouais, ça fait déjà deux noms. Donc, si par exemple, je veux partager mon document avec ces deux personnes-là, donc ouais, que c'est bon, et puis bon, je mets envoyer. Alors, le lien a été envoyé à ces deux personnes. Elles vont recevoir un lien et donc elles pourront apporter leur contribution au document. Et donc, elles pourront le faire librement. Elles seront prises en compte directement. Elles ont la possibilité, par exemple, de changer chapitre 1, mettre ici ce qu'elles veulent. Donc, c'est important de pouvoir partager un document. Donc, d'abord, savoir le créer, le charger dans le OneDrive et après, partager l'accès avec soit les étudiants, mais avec les enseignants. Donc, avec tout ça, c'est passé dans mon OneDrive. Donc, je peux fermer cette fenêtre-là sans problème. Voilà, donc, je tenais donc avant d'aller sur Teams, donc de faire ces précisions sur l'espace de stockage OneDrive, donc à l'intérieur duquel on est ici. Et comme il est dit, voilà, je vous invite à l'installer déjà sur vos différents téléphones, sur votre tablette, téléphone, vous pouvez installer OneDrive dessus. Et ensuite, vous connectez sur un navigateur et vous chargez tout, il y a pratiquement tout le contenu de votre ordinateur ici. Voilà, il y a la place, donc c'est 1000 gigas. Donc, il n'y a pas de souci pour venir déposer tous vos documents importants ici. Et après, vous pouvez y accéder librement sans problème. Alors, donc, une fois qu'on a
de faire ça. Donc, on a stocké nos documents importants sont en lieu sûr. Donc, on s'est dit, bon, d'accord, il faut qu'on sache comment donner le cours. Et donc là, on va chercher à savoir gérer l'espace de travail. Parce qu'on l'a dit aujourd'hui, c'est la prise en main de Teams. Donc, je vais je quitte donc OneDrive, je vais fermer mon OneDrive. Je vais fermer. Et donc, on va m'ouvrir sur la page où j'étais tout à l'heure. Ouais, comme l'a dit, je rappelle qu'on a dans le navigateur, on a Word, Excel et Teams lui-même. Et ici, c'est Teams, le Teams du navigateur. Ce n'est pas la présence Teams du bureau. Voilà, ça, on l'utilise par défaut. Si on n'est pas, si c'est pas notre ordinateur, donc en général, on a bien du temps ça. Alors, donc, mais elle, j'ai déjà ouvert Teams sur le bureau, donc je ne vais pas ouvrir le Teams du navigateur. Donc, c'est là, donc, je réduis ça. Et donc, je reviens dans. Voilà. Donc, ça, c'est. Je suis dans Teams, mais à partir du bureau. Et donc, là, je viens dans toutes les équipes. Voilà. Voilà. Donc, vous venez dans l'application Teams, ça, c'est le point de départ. Donc, il y a les différentes équipes ici, voilà, auxquelles vous êtes membre. Donc, il y a L1, Psycho A, Psycho B. Alors, donc, c'est ici qu'on crée les équipes. Vous voyez ici, c'est marqué en haut ici, région ou créer une équipe. Donc, j'arrive là, je dois faire mon cours. Est-ce que le cours a été déjà créé? S'il est déjà créé et que donc je suis enseignant, donc forcément, il va apparaître là comme c'est le cas, vous voyez. Quand vous vous connectez, vous voyez ici Psycho A, Psycho B, c'est-à-dire vous êtes déjà membre de ces équipes-là. Maintenant, si c'est à vous de créer l'équipe, en ce moment, ce qu'il faut, donc on vient là, et donc je clique sur région ou créer. Donc, je clique sur région ou créer, parce que moi, je vais créer une équipe. Voilà, ici, ce qu'on entend par équipe, en fait, c'est un coup, c'est une UE. Voilà, donc j'ai chargé, donc. Donc ici, je vais créer une équipe. Créer une équipe. Alors, on me demande quel genre d'équipe je vais créer. Alors, il y a une équipe de type classe. Il y a une équipe de type, il y a plusieurs types d'équipes. Donc, c'est une équipe de classe. Puis ça, c'est les équipes qui sont dédiées à l'enseignement. Donc, équipe de classe. Voilà, et donc, on vous dit créer votre équipe. Voilà, maintenant, si c'est une UE, donc, par exemple, je mets comme ça, UE, je mets Psycho. Voilà, bon, je vais mettre Psycho, bon, je mets bien Psycho 1 pour, donc, une psychologie de la société, psychologie de la santé, puis pardon, je mets UE, donc, et puis c'est le nom de mon UE, donc je fais suivant. Voilà. Et une fois que vous êtes là, on va vous demander d'inscrire des étudiants à cette UE-là. Voilà. Et donc, en général, donc si c'est dans le cadre universitaire, donc ouais, on ne pourra pas les inscrire manuellement. Donc, il y a une équipe, l'équipe technique est chargée d'inscrire les étudiants. Maintenant, si par contre vous avez les adresses, leurs mails, en ce moment, on peut les inscrire ici. Donc, j'inscris les étudiants voilà, qui peuvent assister à ce cours-là. Donc là. Ensuite, vous voyez là, c'est marqué enseignant. Enseignant, déjà, vous êtes vous qui créez le cours dont vous êtes d'office enseignant. Maintenant, ici, l'enseignant, c'était ça, mais en plus de vous, est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'il y a des cours enseignants? Est-ce qu'il y a des gens bon, que vous associez à vous qui pourront soit intervenir dans ce cours. Donc, en ce moment, il écrit sans puis il les inscrit ici. Il met là leur nom, voilà, leur mail, et puis donc, il les ajoute. Donc, là, c'est pour inscrire les étudiants, éventuellement, et puis donc là, inscrire les enseignants. Les enseignants, ça sous-entend des collègues voilà, qui vont animer lui avec moi. Et donc, je souhaite qu'ils aient accès au cours. Voilà, donc, mais ils auront le même droit que moi. Donc, ils seront copropriétaires. Voilà.
Je peux aussi ignorer. Si pour l'instant, je ne sais pas qui sera dans ce moment, j'ignore pour dire, bon, je peux le faire après. Il va ajouter les enseignants, les côtés, les enseignants, je peux le faire. Donc, je peux aussi ignorer. Voilà. Et donc, vous voyez que le coup est créé, lieu est créé. Donc, psycho 1, voilà, puis c'est la bienvenue dans UH Psycho 1, c'est créé. Donc, je suis dans l'onglet général, le canal général plutôt. Et donc, ici, il y a les publications, les fichiers, autres. Alors, on a créé notre UE. Bon, c'est ici qu'on va donner le cours. Et donc, on l'a déjà vu, on peut inviter. Donc, quand je reste là, je clique sur les trois points qui sont ici. Vous voyez que je peux encore ajouter un membre. Vous voyez que tout à l'heure, on a ignoré l'ajout des étudiants. Donc, une fois que c'est créé, je peux les ajouter après. Vous voyez, je peux sur les trois points, donc, ajouter un membre. Donc, quand je clique dessus, ouais, on va me ramener la fenêtre que j'avais tout à l'heure. Ouais, okay. On me ramène la fenêtre étudiant-enseignant pour dire que je peux les ajouter après. Voilà, comme on peut aussi modifier, voilà, modifier l'équipe, je peux estimer que le nom que j'ai donné, ce n'est pas, bon, c'est pas ce que je veux. Donc, tout ça, je peux. Alors, on peut ajouter un canal. Voilà, si on estime que dans l'UE, il y a des EQE. Donc, en ce moment, on peut créer un canal. Là, je peux ajouter un canal. Voilà. Et donc, en ce moment-là, donc ça, là, ça devient une EQE, par exemple. Donc, je peux mettre ici. Donc, voilà. Donc, je suppose que bon, ce canal-là sera consacré à ça. Donc, je vais ajouter. Voilà. Donc, dans l'UE Psycho 1, donc, il y aura psychologie de l'éducation. Donc, il pourrait créer un autre canal, donc psychologie de la santé ou bien psychologie médicale. Donc, ouais, il peut créer des canaux ici en fonction de l'organisation de l'UE. Et donc, en tant qu'enseignant, voilà tout ce qui peut créer des canaux. Alors, donc, si j'estime qu'il y en a deux, donc, il crée près d'une autre EQE, donc, j'ajoute. Et voilà, le cours en principe est conçu. Voilà. Alors, après, il faut ajouter des ressources aux étudiants. Parce que ils vont se connecter, il faut qu'ils puissent voir qu'est-ce que je mets à leur disposition, les supports de cours, entre autres. Donc, en ce moment, je suis ici, dans le menu général, là. On voit que là, c'est marqué là, fichier. Donc là, il peut ici, fichier. Voilà. Je suis dans l'onglet fichier. Vous voyez que c'est ici. Ouais, c'est exactement comme tout à l'heure dans OneDrive. Il y a encore nouveau chargé, ce qu'on disait, ainsi de suite. Donc, il y a la possibilité de charger un fichier ici. Donc, quand je clique dessus, charger, ouais, c'est la même chose, fichier ou bien dossier. Donc, en ce moment, si mon fichier en question, il est déjà quelque part, donc je peux le charger et donc le mettre ici. Donc, il sera à la disposition des étudiants. Ça peut être un dossier. Donc, il peut charger. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a un dossier qui est déjà là d'office. Oui, c'est marqué support de cours. Vous voyez que ce n'est pas vous qui l'avez créé. Alors, donc, ici, il y a deux choses. Si vous chargez un fichier tout à l'heure directement, donc, le fichier va se retrouver là. Ouais, donc, vous voyez que je prends ça. Bon, je dis, par exemple, ça, je fais ça. Fichier. Je décide de charger un fichier. Word. Voilà, donc on va me demander où est le fichier que je vais charger. On va en bureau.
Voilà, je prends un fichier, voilà, n'importe quoi, je pense à, par exemple. Donc, j'ai pris un fichier, donc je vais charger ici. Voilà, ouais, un élément a été chargé. Et là, je vois que l'élément se retrouve ici. Donc, il a été chargé dans le fichier. Donc, il est à la disposition des étudiants. Donc, s'ils se connectent, ils viennent dans l'équipe, donc ils verront que l'enseignant a mis à leur disposition un document. Alors, vous voyez que ce document qui est là, il n'est pas dans le support de cours, Alors, la différence, c'est quoi? Ici, là où il est, les étudiants pourront le modifier. C'est un document Word. Donc, on peut éditer. Et donc, si les étudiants, ils le verront, mais s'ils l'ouvrent, ils peuvent modifier le contenu. Alors, si c'est pas ce que je veux, en ce moment, je ne le mets pas là, mais je le mets plutôt à l'intérieur du support de cours. Donc, avant de mettre le support, donc, je clique support de cours, j'ouvre le dossier support de cours. Voilà. Et je le charge ici, à l'intérieur du support de cours. Donc, c'est là que je vais le charger. Vous voyez que c'est bien écrit. On vous dit les fichiers de classe en lecture seule sont accessibles ici. Ils sont en lecture seule. Ils peuvent seulement les lire, ils ne peuvent pas les modifier. Les étudiants peuvent les lire, mais seuls les enseignants peuvent les modifier. Alors, donc, ici, c'est l'endroit idéal donc, pour mettre ici les ressources du cours, si on ne souhaite pas que les gens puissent les modifier. Donc, c'est ça. Voilà, mais sinon, quand on dépose ici directement, dehors comme ça, bon, c'est vrai, ils y auront accès, mais l'inconvénient, c'est qu'ils peuvent les modifier. Bon, maintenant, si c'est un PDF, bon, ça vous devez voir, c'est un PDF, vous pouvez dire, bon, c'est pas grave comme c'est un PDF, il n'y a pas de choses, donc il peut le laisser dehors. Alors, donc, on a créé notre UE, on a créé un canal, on a déposé des ressources, voilà, de cours pour les étudiants. Alors, donc, après ça, on peut se dire, bon, c'est moi ce qu'il faut, c'est de planifier une séance, dire, mais mon cours, il aura lieu quand? En ce moment-là, je suis dans le menu général, là, moi, je viens ici. Alors, vous voyez ici, dans l'UE, il y a, bon, dans mon cas, il y a deux canaux. Il y a le canal général, ça c'est pour tout l'UE, donc, vous voyez, c'est général. Donc, ici, je peux planifier une séance, le canal général. Comme je peux dire, non, mais le cours là, bon, c'est psycho de l'éducation, non, je vais venir dans le canal psycho de l'éducation, et donc, et c'est là que je peux planifier ma séance de cours. Et voici, vous regardez bien tout à l'heure dans le cas de figure. Que vous êtes tous dans l'équipe psycho, formation psycho A. Et vous voyez qu'en séance, on a mis prise en main. Donc, il y a un canal où c'est marqué prise en main. Donc, c'est dans ce canal-là que le cours a lieu, la séance de UE a lieu. Et donc, dans votre cas, si c'est une UE où il n'y a pas de UE, donc il y aura seulement le canal général. Donc, restez dans le canal général et puis, bon, ben, vous planifiez votre séance. Mais s'il y a deux UE, donc, vous venez dans le UE correspondant et puis, bon, ben, vous, voilà, je suis là comme ça et puis j'ai planifié ma séance dans psycho de l'éducation. Donc, il vient là. Et vous voyez là, ici, c'est marqué démarrer une réunion. Bon, le but, ce n'est pas de démarrer, mais je vais planifier. Donc, à ce moment-là, je clique là et puis je clique sur planifier. Là, je suis déjà au bon endroit où il faut planifier la séance. Je suis dans cette psycho de l'éducation. Et donc, je vais pas démarrer maintenant, mais je vais plutôt planifier. Donc, je clique sur planifier. Voilà, donc, on ouvre cette fenêtre-là. Alors, la première des choses, c'est le fuseau horaire. Il faut le changer tout de suite, il ne faut pas oublier. Sinon, vous pouvez penser que votre cours est à 10 heures et puis les autres, ils vont vous dire non, que c'était 16 heures. Donc, je clique sur fuseau horaire. Et donc, c'est qu'on met, c'est temps universel coordonné. C'est ça qu'il faut mettre. Il ne faut pas mettre GMT. Non, c'est temps universel coordonné. C'est ça qu'il faut mettre, absolument. Temps universel coordonné, UTC, comme ça. Alors, donc, c'est ça qu'il faut mettre, absolument. Donc, ensuite, on demande de donner un titre à ma séance. Donc, comme c'est la première, je peux prendre des séances 1. Voilà. On me demande de donner la date, le cours aura lieu quand. Donc, si vous cliquez dessus, on vous donne ici le calendrier. Je peux dire, bon, mon cours, ce sera le vendredi 18. Je clique sur le vendredi, voilà. L'heure, donc, ben, je donne l'heure. Ici,
On appuie, quand vous cliquez dessus, vous avez la main. Donc, il ne faut pas avoir peur. Par exemple, ouais, si c'est marqué 10h30, ouais, il n'y a pas les. Il n'y a pas 10h15. 10h, on est passé à 10h30. Mais si moi, je veux mettre 10h15, ce n'est pas un problème. Donc, je tape 10 comme ça. Et puis maintenant, je n'ai plus 15. Je n'ai pas venu mettre les deux points. Je mets 10 et puis 15. Voilà. Et puis, bon, je fais suivant. Ok. L'ordinateur lui va mettre 10h15, l'adapte. Donc, moi, je tape 10h15 et puis je quitte la case. Ça va mettre 10h15. Voilà. Donc, faut pas, on peut mettre toutes les heures. Donc, quand on clique dessus, c'est vrai qu'il propose. De 0h après 30, voilà. Mais on peut saisir l'heure qui nous convient. Après, donc, de 18 à 10h15, donc le 18, l'heure de fin, donc, 10h45, bon, un cours de 30 minutes. Ok, c'est bon. Donc, je mets donc là aussi l'heure de fin, je l'indique. Et puis, bon, voilà, c'est fini. Est-ce que la séance se répète ou pas? Si elle ne se répète pas, donc, je laisse ça. Mais si elle se répète, c'est par exemple tous les. Dans la semaine, le même jour, la même heure, donc il peut mettre là que ça se répète pour ne pas avoir à planifier chaque semaine. Si c'est le même jour dans la semaine et puis c'est à la même heure, donc en ce moment, je clique là pour dire que ça se répète et puis je vais indiquer la période pendant laquelle ça se répète. Maintenant, si c'est une séance qui ne se répète pas, donc en ce moment, on planifie bien, on laisse comme ça. Voilà, ouais, qu'ici c'est marqué psycho 1, psycho-éducation. Donc, je voudrais faire, c'est dans ce canal-là que la séance a été planifiée. Et s'il y a des informations à saisir, on les saisit ici. Voilà. S'il y a des instructions à donner par rapport à la séance, donc on les saisit ici. Voilà. Donc, peut-être lire le chapitre 1 avant la séance. Voilà. Donc, j'indique ça aux étudiants pour leur dire de lire, comme ils ont déjà le support auparavant, donc je leur demande de lire le chapitre 1 avant la séance. Voilà, donc bon, après, voilà, c'est bon, mon cours est planifié, tout est bon. Et donc, je vais envoyer l'étudiant. Donc, je clique sur envoyer. Voilà, une fois que c'est envoyé, vous voyez que ça apparaît ici, dans le canal en question. Psychologue de l'éducation, équipe numérique IFMI, voilà, lit le chapitre 1 avant la séance. La séance est planifiée, donc les étudiants la verront. Ils verront qu'il y a une séance qui a été planifiée. Et donc, c'est le vendredi 18 juin à 11h15. Voilà. Et donc, c'est ça. Maintenant, une fois que la séance est planifiée, il y a deux choses. Il y a la gestion de la séance. Et elle peut se faire avant le jour indiqué, parce qu'il y a les propriétés, voilà, de la séance qu'il faut gérer. Il faut faire en sorte que pendant la séance, un étudiant ne puisse pas peut-être partager son écran, afficher autre chose, alors que vous êtes en train de chercher à apprendre votre cours. Ah, donc, ça, il faudra, il y a les propriétés pour ça, pour afficher ces éléments. Tout à l'heure, je vais les montrer dans la session de vidéo. Avant, on peut le faire ici, mais c'est long, on peut le faire directement dans la fenêtre de la vidéo. Là, donc, mon cours a été planifié, donc je n'attends que le vendredi 18 pour faire le cours. Parce que déjà, les ressources ont été déjà déposées à leur intention. Ma séance est planifiée, donc bon, ben, j'ai estimé que, voilà, ça va, j'ai planifié ma séance, c'est bon. Alors, donc, l'aspect suivant, parce que le but, c'est de communiquer au maximum avec les étudiants. Alors, on a vu qu'on peut communiquer donc à travers la visioconférence. On peut aussi communiquer en leur laissant des messages. Alors, ouais, ici, juste en dessous, c'est marqué « Nouvelle conversation ». Donc, je clique dessus. Et donc, c'est la conversation. Donc, ici, ça, c'est sous forme de chat. C'est-à-dire que je mets « Bonjour ». Et puis je fais entrer. Voilà, donc l'étudiant, bon, il reçoit le message. Voilà, donc ça, c'est un message. Maintenant, je peux estimer que ce que j'ai à dire est important. Donc, je ne peux pas l'envoyer sous forme de, voilà, de message comme ça. Donc, en ce moment-là, je clique toujours sur message. Mais au lieu de taper directement, je clique là sur format.
Donc, il va falloir formater le message. Donc, je clique sur ce symbole-là. Et vous voyez qu'on me donne une grande fenêtre cette fois-ci pour, voilà, pour que mon message, ouais, il peut me donner un titre. Voilà. Donc, il peut mettre là, bon, examen. Je pourrais dire que, bon, voilà, il y a un examen. Et comme c'est important, donc, ouais, j'ai fait un titre, ça, donc. Alors, le 28, on va dire, voilà, donc c'est à dire que je peux, voilà, qu'on a dit donc mettre du contenu, ça. Alors ici ce message, il est, je peux dire l'envoyer sur cette forme-là. Ouais, là, c'est différent du message précédent. Et vous voyez que ici, j'ai les, tout même pour mettre en gras, j'ai les symboles pour éditer, souligner, voilà, donc pour la mise en forme du texte. Et là, c'est un message. Donc, je veux que ce soit bien perçu, que ce soit bien vu par les étudiants. Ou bien, je peux vouloir que ce soit carrément, vraiment, comme une affiche. Donc, ouais, là, je clique en haut, là, ouais, c'est... Tout à l'heure, c'est une nouvelle conversation, mais il veut que ce soit une annonce. Donc, je clique là sur annonce. Et là encore, ça devient plus grand. Cette fois-ci, c'est une annonce que j'ai fait. Et donc, c'est important. Ça doit être bien visible. Voilà, donc, en ce moment, ouais, je peux prendre ça. Je clique là. Ok. Cette fois-ci, j'ai un grand titre pour mettre le titre. Donc, l'annonce, voilà, examen. Et puis, bon, je mets sur le contenu, voilà, en bas. Et vous voyez que j'ai la possibilité d'arranger, de mettre en forme, voilà, cette annonce-là. Voilà, vous voyez que je peux choisir ici un contenu que je veux. Donc ça, par exemple, là, j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, ça, mais ça là, je peux l'envoyer. Donc, je l'envoie maintenant. Avant de l'envoyer, encore deux possibilités. Là, il suppose que mon message s'adresse peut-être à... Il y a plusieurs canaux. Ouais, tout à l'heure, je peux... Il y a psycho... Attention, j'ai mis psycho. Alors, il s'adresse à plusieurs canaux à la fois. Donc, en ce moment, je peux cliquer là. Et puis, bon, mais je dis, mais c'est vrai, c'est pas seulement pour ce canal-là, mais il y a d'autres canaux qui sont intéressés, d'autres classes qui sont intéressées. Donc, à ce moment-là, je peux cliquer et puis choisir. Voilà, donc ici, c'est celui-là qui est là. Et puis, donc, je peux choisir d'autres canaux. Voilà, ouais, on me demande quels sont les canaux dans lesquels je souhaite que l'annonce soit publiée. Ouais, donc, ouais, le message, il s'agit une seule fois, mais après, il peut avoir plusieurs groupes de destinations. Donc, à ce moment, je viens là et puis je les choisis. Il peut dire, bon, psycho A, par exemple, voilà, ils sont concernés. Psycho A, donc, il y a quel canal? Donc, il peut dire le canal 1 de psycho A. Par exemple, il peut dire, bon, oui, je souhaite qu'ils reçoivent cette information-là. Donc, à ce moment-là, je vais faire, et puis je vais mettre à jour. Voilà, donc, à ce moment, mon annonce, elle sera publiée, non seulement ici en psycho 1, mais elle sera aussi visible, voilà, en psycho A, c'est-à-dire que vous allez recevoir également la même information. Donc, une fois que j'ai mis les canaux concernés, bon, ben, après ici, ouais, tout le monde peut répondre. Ouais, ça peut être une annonce. Je peux souhaiter que ce n'est pas à commenter. Voilà, donc, en ce moment, je mets là, vous et les modérateurs peuvent répondre. C'est-à-dire que c'est une information, les gens n'ont pas à la commenter. Donc, en ce moment, je clique ça.
vous et les modérateurs peuvent répondre. Donc, ils vont recevoir, mais ils ne pourront pas commenter. Maintenant, si je souhaite qu'ils puissent réagir, bon, seulement je laisse, tout le monde peut répondre. Voilà. Voilà, une fois que tout ça, si ça me convient, c'est OK. En ce moment-là, bon, j'ai fait. Voilà. Donc, que l'information est là. Ouais, que ça, c'est totalement différent de la première information. J'ai dit bonjour, cher étudiant. Ça, ça peut passer inaperçu. Mais ça, quand il y a là, il y a du nouveau. Et donc, c'est ça. Donc, on peut aussi correspondre comme ça. Maintenant, pour terminer sur les conversations, je suis en train d'écrire quelque chose. Et puis, voilà, c'est marqué utiliser la mention arrobase. Voilà. C'est-à-dire, quand vous écrivez une information, je vais demander cher. Chers collègues, je vais m'adresser ici en particulier à peut-être l'UER, donc il y a un co-enseignant qui anime ça avec moi. Et donc, je souhaite que bon, il soit. En ce moment, avant de mettre son nom, tout à l'heure, j'avais ça. Donc, je vois tout cela. Voilà, c'est un arrobase, je tape ça. Je vais taper. Voilà. Que je tape, là, donc je mets mention de celui-là à qui je m'adresse avant d'envoyer le message. Donc, à ce moment, on va lui envoyer voilà, quelque chose pour l'interpeller, pour lui dire que, attention, vous avez été mentionné dans le message, dans les messages. Et donc, il va chercher à savoir, à lire le message pour voir de quoi il s'agit. Voilà, ici, certainement, le mail n'est pas inscrit. Donc, quand vous commencez à écrire, donc, logiquement, il devait avoir toute la suggestion. Donc, ça va être pour confirmer qu'effectivement, la plateforme reconnaît le mail en question. Voilà, certainement, peut-être qu'il n'est pas inscrit à son mail institutionnel actuellement sur la plateforme. Voilà, et donc, ça que ça s'est fait, voilà, je souhaite. Donc, j'envoie. Donc, quand j'envoie le message. Donc, là, souvent, la personne qui est mentionnée dans le message, forcément, reçoit une alerte. Voilà. Et donc, forcément, elle va se connecter pour voir exactement de quoi il s'agit. Mais si j'écris et que je ne mets pas l'arrobase, même s'il met son nom, bon, mais il peut ne pas. Si je ne connecte pas, il ne saura pas qu'il y avait un message qui le concernait directement. Et donc, c'est pourquoi c'est important de mentionner donc, la personne avant le message. Donc, forcément, la personne reçoit l'alerte et la personne peut chercher à savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, c'est important de mentionner donc, la personne avant de l'envoyer un message. Voilà, donc, pour les messages, c'est important. Donc, on peut diffuser les messages dans plusieurs canaux à la fois. Voilà, on peut faire sous forme d'annonce ou sous forme de message simple. Donc, ça, c'est la possibilité donc, de s'adresser aux étudiants. Alors, donc, après ça, quand on s'est adressé aux étudiants, on a planifié la séance. Donc, bien évidemment, il faut que la séance, elle va avoir lieu. Donc, le jour de la séance, j'arrive à ma séance, je suis là. Donc, ici, ma séance, elle va se jouer exactement sur cet écran-là. Tout à l'heure, j'ai dit que pour une séance en visioconférence, c'est important qu'on soit maître de la séance. C'est-à-dire qu'on ait le contrôle total. Et donc, je n'ai pas le temps peut-être de le faire avant. En ce moment-là, je viens là. Même quand vous connectez, et puis bon, séance tenant à l'instant, vous cliquez sur les trois points. Là, autre action. Et puis, vous voyez là, il y a option de la réunion. Directement ici. Donc, avant même de commencer, vous faites ça. Option de la réunion.
Voilà. Et puis là, je peux paramétrer la réunion comme je le veux. D'abord, on vous dit qui peut éviter la salle d'attente. C'est mieux de mettre tous pour ne pas que des gens soient obligés d'attendre que vous les fassiez entrer. Voilà. Vous mettez tous là. Quand quelqu'un a le lien, il se connecte, il aura accès à la salle directement. Donc, tu appelles, annoncer quand les appelants arrivent, qui peut présenter. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Qui peut présenter la séance? Vous voyez que par exemple, si c'est marqué moi uniquement, c'est-à-dire j'ai déjà fait en sorte que je sois le seul à présenter. Et si vous regardez à votre niveau, vous verrez que vous ne pouvez pas actuellement partager votre écran. Ce n'est pas possible parce que j'ai décidé à mon niveau que je sois le seul à le faire. Voilà, on le fait souvent à l'étudiant parce que les étudiants, souvent, ils sont chauds, ils peuvent vous laisser en pleine présentation et puis ils vont présenter, afficher autre chose, soit de leur image, des choses comme ça. Donc, par précaution, souvent, c'est mieux de choisir cette option-là, moi uniquement. C'est-à-dire, pendant la séance, voilà, vous serez le seul à partager l'écran. Après, autoriser le micro pour les participants. Ouais, tout ça, c'est activé. Vous dites qu'en fait, ça dépend. On peut décider que les participants ne puissent pas activer le micro. On peut désactiver. C'est possible. Voilà. Mais bon, en général, comme c'est un coup, on veut que ce soit des échanges, c'est mieux que les micros soient ouverts. Quitte à les désactiver ensemble. Donc, autoriser la caméra. Ouais, tout ça, c'est on peut désactiver. Ouais, on peut décider que bon, il n'est pas accès à la caméra. On veut qu'il soit là juste pour écouter. Il ne suis pas là pour voir le visage, donc je peux désactiver ça. Et puis après, autoriser les réactions. Ouais, tout ça, pour dire que vous avez, c'est vous qui décidez comment vous voulez dérouler votre séance. Là, une fois que tout ça, c'est OK. Donc, bon, voilà. C'est tout ça, la présentation. C'est important que ce soit à vous uniquement. À moins que ce soit une séance d'échange. Peut-être vous voulez que pendant la séance, des étudiants puissent présenter certaines choses. Là, en ce moment, il faut peut-être laisser. Quand tout ça OK, bon, bien fait, enregistrer. C'est-à-dire que j'ai paramétré comme ils entendent terminer. Et donc, en ce moment, là, je peux fermer ça. Voilà. Et puis, bon, mais c'est ça. Donc, toujours dans cette barre-là, bon, les étudiants qui voudraient, qu'un étudiant veut prendre la parole, évidemment, il clique sur ça, il va lever sa main. Là, il lève là, il clique sur ça. Donc, vous verrez une main levée, vous voyez, vous saurez qu'il y a tel étudiant qui veut, voilà, qui veut prendre la parole. Ensuite, quand vous cliquez là, ce truc des participants, ça c'est important, on clique là sur ce symbole-là. Voilà. Et là, vous voyez, ça vous donne la liste, voilà, des gens qui sont connectés. Vous voyez, ici, actuellement, c'est marqué 10 participants. Donc, il y a 10 personnes, en plus, qui sont connectées. Vous voyez que là, on a leur nom. Donc, de façon isolée, on peut décider. Par exemple, quand je prends ça, Marie Santal, vous voyez qu'il y a 3 points devant son nom. Je clique dessus. Vous voyez que pour cette personne-là, vous voyez qu'il y a des choses qu'il peut faire. Il peut désactiver sa caméra à elle seule. On peut désactiver son micro de façon isolée. Voilà. Maintenant, comme je suis aussi, par contre, désigné comme présentateur, je suis en train de faire ma séance et j'ai décidé que je sois le seul à présenter. Donc, c'est-à-dire, dans les autres, personne ne peut. Mais je peux décider de façon exceptionnelle, je veux qu'elle puisse présenter quelque chose à l'ensemble des autres. Donc, là, en ce moment, j'écris sur les 3 points qui sont en face de son nom et voilà, donc, désigné comme présentateur. Tu vas essayer de cliquer dessus. Voilà. Le rôle du participant détermine si celui-ci peut partager. Vous voyez qu'on vous avertit. C'est le rôle. Le rôle d'un participant détermine si celui-ci peut partager du contenu. Voilà. Désactiver d'autres utilisateurs. Donc, on vous dit, vous avertit que bon, la personne aura des pouvoirs désormais bon, étendus. Donc, si je suis d'accord, j'ai fait modifier. Voilà, donc, c'est-à-dire que désormais, en principe, elle est la seule à pouvoir partager son écran en plus de moi actuellement. Voilà, donc ces droits-là, on peut l'attribuer comme on peut. Voilà. Après, maintenant, je peux changer encore le rôle. Après, on peut dire désigner comme participant. Après, je peux arracher le rôle pour la désigner comme participant. Donc, tout ça, c'est des paramètres qui sont possibles. On peut le faire pour chaque étudiant. On a la possibilité de modifier les attributs, voilà, pour chaque étudiant. Alors, donc, après, quand je viens juste là, la plus chose qu'on peut faire, les options de réunion, ça, on a vu, c'est important. Évidemment, l'enregistrement de la séance, c'est important
il faut pas oublier d'enregistrer la séance à chaque fois. Avant de commencer, vous venez là et vous lancez l'enregistrement. Il faut les avertir avant que la séance enregistre. Et donc, la séance, elle est enregistrée et elle est en cours. Alors, donc, quand on a fait donc, la séance en train de se dérouler, tout à l'heure, je l'ai dit, en général, pour faire un cours en ligne, donc on a un contenu à partager à l'étudiant. Alors, comment est-ce qu'on le partage? Donc, on a notre support qu'on a, ça peut être un PowerPoint, ça peut être un PDF, donc il est quelque part. Et donc, et ce que j'ai fait, donc, je vais le partager avec les étudiants. Et donc, pour ça, je vais arrêter le partage et puis le reprendre pour que vous puissiez voir. Donc, j'arrête là le partage. Donc, le partage est arrêté, donc rien n'est pas. Enfin, je ne partage pas du contenu actuellement. Comme je l'ai dit, donc je reprends cette fois-ci. Donc, je vais partager un contenu. Mais avant de partager le contenu, il faut que le contenu soit ouvert. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est pas que je vais. Voilà. Voilà, donc avant de partager le support de cours avec l'étudiant, il faut au préalable ouvrir le document sur l'ordinateur. Il doit être ouvert avant de le partager. Voilà, donc, je vais ouvrir mon document et donc tout à l'heure, je vais le partager parce que je dois faire mon cours et le support est en PDF. Voilà. Donc, j'ouvre mon document. Rien n'est actuellement, on ne voit rien. Donc, les étudiants, voilà, sont dans la salle, ils attendent, bon, l'enseignant, on doit commencer. Voilà. Donc, vous allez arriver. Bonjour, chers étudiants. Voilà, ce matin, nous allons faire un cours sur la psychologie. Et donc, voilà. Et puis, bon, mais je vais partager mon support avec vous. Donc, je suppose que vous avez eu le temps de lire le chapitre 1. Et ce sera l'objet de notre séance d'aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je partage mon écran. Donc, j'ai partagé. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, vous voyez que l'étudiant. Alors, ils reçoivent, donc ils voient mon document qui est partagé. Et donc, je peux commencer mon cours. Mais comme c'est un PDF, vous voyez que ça peut être évident. Peut-être qu'il y en a qui suivent le cours sur leur téléphone. Donc, peut-être que c'est un peu trop petit. Ils peuvent avoir un PDF. Donc, déjà, il faut soigner l'affichage du document. Donc, c'est ce que je fais ici. Je vais changer, je vais agrandir ça. Voilà, donc je peux changer l'affichage, donc je vais mettre encore plus grand. Voilà, et là, parce qu'un cours, il ne faut pas juste lire le document, il faut que ce soit un peu dynamique, que ce soit actif. D'ailleurs, il faut que ce soit visible, bien visible. Et puis, je commence, et je peux avoir peut-être, voilà, le marqueur en main. Voilà, et donc, je dis, introduction, qu'est-ce que la psychologie? Voilà, et puis donc, on est chacun d'entre nous, on peut avoir l'impression à un moment ou un autre d'être psychologue, quel fin psychologue tu es, ou au contraire, qu'est-ce que tu peux manquer de psychologie? Ce sont des expressions que nous avons tous entendues ou employées un jour ou l'autre. Être psychologue signifie, dans cette acception commune, posséder certaines qualités personnelles, telles que l'empathie et la compréhension des autres. A contrario, un individu ne présenta pas de telles capacités manqueraient de psychologie. Bref, alors, voici le mot qui revient à la langue, c'est le mot psychologie. Donc, là, donc, dans le titre, on dit d'ailleurs, on voit que vous avez ça. Donc, je peux souligner
un mot dedans pour attirer l'attention des étudiants dessus, à la psychologie. Voilà, donc, c'est des choses qu'il doit pouvoir faire. Donc, ici, psychologue. Voilà. Donc, il peut décider d'entourer des mots, l'empathie, bon, ouais, qu'est-ce que ça signifie. Voilà, bref. Parce qu'il faut que dans mon exposé, je puisse soit attirer l'attention sur certains mots, sur certaines expressions. Là, ça, par exemple, ça. Je peux peut-être dire, bon, mais cette expression, je peux dire, mais cette expression, comme celle-là, je la mets en surbrillance, bon, pour la pratique, peut-être pour expliquer en particulier ce que ça signifie. Donc, tout ça, ça permet d'animer votre présentation. Mais si par contre, je viens que je me contente juste de, bon, de lire comme ça, c'est vrai, mais à un moment donné, c'est pas évident que ça les captive. Sinon, c'est un texte. Donc, il faut que ce soit un peu vivant. Que soit peut-être souligner certains mots, mettre en surbrillance certains éléments, et puis bon, mais voilà, ensuite. Et donc, ça fait que c'est un PDF, mais on voit qu'il y a, donc on souligne certains mots. Et ça, vous pouvez le faire dans le PDF, plutôt que de se contenter de le lire simplement comme ça. Ouais, donc, ça, vous verrez. Et puis, en plus, on n'a pas à s'inquiéter, c'est-à-dire que il ne faut pas penser que le PDF, mais si je souligne dedans, mais après, non, mais après tout ça, on peut, vous pouvez effacer, ça peut... Là, il n'est pas détruit en fait, voilà. Et ça va pas rester dedans, donc je n'ai pas à avoir peur de voilà, d'écrire dedans. Je peux faire voilà, je peux écrire dedans, je peux faire ce que je veux dedans, je peux encadrer quelque chose, décider que bon voilà tout ça là, même écrire des commentaires. Et ouais, mais quand j'ai fini tout ça, je peux décider que bon tout ça c'était pour le coup, et donc il y aura pas de traces. Après, mon document, il sera propre comme il était au départ. Et donc, c'est important de pouvoir annoter, faire des commentaires, mettre des mots en évidence là-dedans. Donc, ça fait que la séance a lieu, elle est enregistrée. Donc, je fais ma séance et puis je reviens voilà, dans ma fenêtre. Voilà, donc la séance, elle se déroule normalement, et comme on l'a dit, il faut l'enregistrer. Ça permet aux étudiants peut-être qui n'ont pas suivi la séance depuis le début, ou même qui ont peut-être même raté la séance, d'avoir l'occasion de la suivre en intégralité après le cours. Donc c'est pourquoi c'est important de l'enregistrer. Alors maintenant, une fois qu'on l'a enregistré, à la fin de la séance, évidemment, il faut revenir là pour mettre fin à l'enregistrement. Pour partir de l'enregistrement. Quand on pense qu'on a fini de l'essentiel et que les retraits, les divers, donc on peut déjà arrêter l'enregistrement. Donc on vient et puis on l'arrête. Et ensuite, la séance, bien sûr, il faut l'arrêter. Et donc, vous voyez là, c'est marqué quitter. Justement, il ne faut pas quitter, il ne faut pas cliquer sur quitter, comme ça. Vous voyez que là, il faut cliquer sur la flèche. Vous voyez qu'il y a quitter et puis à mettre fin à la réunion. Vous voyez que, en fait, vous êtes l'organisateur de la réunion. C'est votre coup. C'est vous qui avez programmé la séance de réunion. C'est vous qui êtes l'organisateur. Et donc, vous êtes le seul à pouvoir y mettre fin. Les autres peuvent simplement la quitter, mais vous ne pouvez pas mettre fin à la séance. Donc, maintenant, si par contre, vous quittez également. Donc, là, c'est comme si vous quittez, mais vous n'avez pas mis fin à la séance. C'est vous cliquez sur quitter. Effectivement, bon, vous partez, mais la séance reste ouverte. Et donc, les étudiants, ils vont rester entre eux. Voilà, ils vont continuer à causer entre eux. Parce que vous n'avez pas mis fin à la séance. Vous êtes parti, mais vous n'avez pas mis fin à la séance. Vous n'avez pas. Vous les avez dans la salle et puis vous êtes parti. En principe, vous devez fermer la salle. Voilà. Vous avez fini, vous mettez fin à la séance. Donc là, c'est vraiment fini. Tout le monde est dehors. Et quand vous laissez la salle ouverte, donc il reste là. Et puis bon, c'est comme si la bande passante est occupée. Donc, c'est comme vous occupez une salle. Alors, en réalité, vous avez fini le cours. Voilà, donc, c'est important quand on a fini de mettre fin à la réunion. Plutôt que de quitter simplement. À moins qu'on estime qu'on a des raisons de les laisser échanger entre eux. Là encore, ça dépend. Si peut-être on doit partir peut-être avant la séance, peut-être je dois partir 30 minutes avant. Peut-être j'ai un impératif, je dois aller 30 minutes avant, mais je leur donne des consignes, des choses à faire pendant le temps qui reste. Donc en ce moment, je vais simplement quitter, effectivement. Là, je quitte. Je quitte simplement.
Et là, eux, ils pourront continuer à échanger et à travailler jusqu'à la fin de la séance. Et en ce moment, peut-être après, ils peuvent venir fermer. Donc, ça, la différence, quitter et puis mettre fin à la réunion. Donc, tout dépend du contexte. Alors, donc, quand on a fini de faire ça, donc on a... Voilà, la séance était enregistrée correctement. Après, l'aspect suivant, c'est de rendre cette vidéo-là disponible aux étudiants. Parce que quand ils ont fini voilà, quand le cours est fini, donc là, je quitte là. Voilà, pour le PDF tout à l'heure, je le disais, je reviens là. Donc, je suppose que j'ai fini de faire mon cours. Tout, quand je vais vouloir fermer cette fenêtre-là, quand je vais décider de fermer, vous voyez. Voilà, vous voyez qu'on me dit, quittez le site. Vos modifications risquent de ne pas être enregistrées. Mais justement, c'est ce que moi, je veux. Je ne veux pas qu'elles soient enregistrées. Donc, effectivement, il fait quitter. Donc, si je fais quitter, vous voyez que j'ai quitté la page. Donc, tout ce que j'ai souligné, bon, voilà, ça ne sera pas pris en compte. Donc, c'était juste pour la séance. Donc, c'est pas pour ne pas avoir peur de souligner, de mettre des mots en évidence pendant la présentation. Alors, donc, une fois qu'on a fini voilà, de faire tout ça, la séance a eu lieu. Donc, on a programmé la séance. Elle a eu lieu. Donc, elle est enregistrée. Après la vidéo, comment est-ce qu'on fait pour y accéder? En ce moment, voici ce que je vais faire là. Je fais juste un exemple. Donc, je suis là, je suppose que bon, il démarre une réunion parce que tout à l'heure, on a cliqué là pour planifier. Maintenant, il se peut que je n'ai pas eu le temps de planifier mon cours. C'est-à-dire que mon cours doit avoir lieu aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps, j'étais en voyage, je n'ai pas eu le temps de planifier. Mais les étudiants sont informés, ils savent qu'ils ont cours à, je sais pas, à 10 heures, mais il n'y a pas le temps de planifier sur la plateforme. Mais néanmoins, je viens peut-être, il est 15 minutes avant le cours, je suis là. Donc, en ce moment, je vais démarrer directement. C'est-à-dire, quand l'heure arrive, je viens sur le canal, comme ils sont informés, et puis donc, je démarre une réunion en même temps. Et donc, il clique sur démarrer là, ce n'est pas pour planifier, ça veut démarrer directement. Donc, il clique sur démarrer. Voilà. Cette fois-ci, c'est-à-dire que je démarre directement et puis bon, ben, ils vont me rejoindre et puis on commence le cours. Voilà, vous voyez que c'est marqué là. Donc, ils se rejoignent maintenant. L'ENS n'étant pas habilité à dégager des thèses.
Bon, on ne sait pas si la séance est finie, mais apparemment, on n'a plus de son venant de vous. C'est ouvert ici. Donc, il a fait, voilà, si vous voyez mon écran, donc il a fait un essai voilà, de visioconférence bon, lancé immédiatement. Et donc, il a fait un enregistrement. Donc, le cours a été enregistré. Et comme il a dit, juste à la fin de la séance, quand vous avez fini le cours, vous avez arrêté l'enregistrement. Donc, vous allez vous retrouver, effectivement, ici. Quand vous revenez sur la page, vous voyez, c'est marqué là. La réunion, donc, elle était enregistrée. Donc, ça va apparaître ici. Mais ouais, c'est marqué plutôt « expire dans 20 jours ». C'est-à-dire votre cours qui vient d'être enregistré, il est disponible, mais seulement pour 20 jours. C'est-à-dire 20 jours après, il sera plus disponible. Alors, donc, dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est de l'enregistrer. Donc, c'est de télécharger. Ouais, c'est marqué là « télécharger ». Donc, je clique sur « télécharger » pour télécharger la vidéo du cours. Une fois qu'il a téléchargé, en ce moment, il peut la mettre à disposition des étudiants. Voilà, là, ça sera pour du bon. Sinon, si vous laissez comme ça, bon, c'est juste pendant 20 jours qu'elle sera disponible. Et puis, ils n'auront pas tous la même option pour l'ouvrir. Donc, on télécharge. Voilà, j'ai déjà lancé le téléchargement. Donc, je télécharge la vidéo. Parce que sinon, 20 jours après, c'est fini. Elle ne sera plus là. Ici, la télécharge, après, je peux la remettre à leur disposition sous forme de fichiers. De la manière que j'ai chargé les supports de cours dans le canal, dans l'onglet fichiers, je peux cette vidéo-là la charger également là-bas, de sorte qu'ils puissent la lire à tout moment. Mais si vous laissez comme ça, donc à un moment donné, ils ne pourront pas. Elle va disparaître et ils n'auront plus accès à la vidéo. Voilà, donc à ce moment, la vidéo est enregistrée, elle est dans votre onglet comme un fichier, et vous laissez à vous de la remettre à leur disposition, dans le canal fichier. Voilà, donc à ce stade, il devrait déjà prendre des questions et des préoccupations, voilà, sur tout ce que j'ai pu dire ou faire ce matin. Oui, des questions ou des problèmes sur si quelqu'un veut parler, donc il lève juste sa main et puis parle.
Oui, M. Otemene. Oui, M. Otemene. Otemé. Excusez-moi, excusez-moi. C'est bon, Otemé après la suite. C'est vrai que je n'ai pas. Bon, je suis allé dans une autre classe. Oui, oui. C'est-à-dire la dernière journée. Donc, oui. Je n'ai pas pu bien suivre le début. Oui, oui. Mais j'avoue que aujourd'hui, enfin, c'est mon impression, mon avis. Oui. Ce n'est pas mieux que la première session qu'on a eue. D'accord. Parce que ce qu'il nous fallait aussi, oui. c'était de nous approprier l'instrument. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes allé pas à pas. C'est ça. Et donc, on a pu quand même suivre. D'accord. Est-ce que après ça, c'est possible? C'est une question d'entraînement. Hein. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on aura cette possibilité aussi oui. d'être aussi coaché de plus près mm-hmm. pour faire ne serait-ce qu'une simulation? Mm-hmm. Parce que, bon, mais c'est vrai, vous avez l'écran, vous avez très bien fait de nous montrer aussi les choses, mm-hmm. mais concrètement, on aurait souhaité mm-hmm. ne serait-ce qu'être coaché. Et puis, bon, ben, voir comment est-ce que pratiquement on fait. Sinon, c'est. Comment est-ce que vous-même vous pouvez mettre ça en pratique, c'est ça? Pardon? Enfin, vous voulez dire comment est-ce que vous-même vous pouvez vous suivre voilà, pour mettre ça en pratique, tout ce qui a été dit. Voilà, c'est ça. Parce que c'était très intéressant. Oui. Et aujourd'hui, je le répète, bon, j'ai mieux suivi. D'accord. Même si j'ai pris en marche, mais ça me paraît beaucoup plus accessible. Maintenant, ce qui nous reste, c'est maintenant comment pratiquement on essaie de simuler quelque chose. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus ça, quoi. Donc, c'est ça ma préoccupation. D'accord. Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut déjà, effectivement, j'y ai pensé. Tout à l'heure, juste après la séance, je vais vous envoyer un devoir. Voilà, sous forme de TP. D'accord. En fait, qui reprend exactement toutes les notions qu'on a vues ce matin-là. D'accord. Voilà, pour que chacun puisse essayer à son niveau de les mettre en pratique. D'accord. Voilà, et là, par exemple, demain, avant la séance, là, on aura le temps de faire le point, de voir est-ce que chacun pourra dire s'il a pu, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire, etc. Là, avant qu'on puisse avancer. Sinon, tout à l'heure, juste après la séance, donc, je vous envoie des questions. Justement, pratique par rapport à tout ce qu'on a fait ce matin. Depuis OneDrive, le cours, les vidéos, tout ça là. Et puis, chacun a peut-être pendant une heure de temps après la séance de voir s'il peut mettre en pratique ce qu'on a dit. Parce qu'en général, ce qui est important, c'est de pouvoir le faire juste après. Parce qu'après, on peut penser qu'on a compris, mais comme il n'y a pas de pratique, après on oublie. Mais si juste après, on essaie de remettre en pratique, on verra qu'effectivement, ça. Donc, il y aura un TP que je vais laisser tout à l'heure en ligne. Si vous permettez, oui. La première session qu'on avait eue la dernière oui. fois, mm-hmm. on a eu du mal à non seulement à télécharger les PDF, oui. mais l'enregistrement n'a pas été accessible. C'était d'accord. pas disponible. Donc on oui. l'a pas eu. Est-ce que cette fois-ci, oui. dès qu'on finit là, on a la possibilité d'effectivement télécharger oui. pour oui. Visionner oui. après. C'est ça. Il sera disponible. En fait, tout à l'heure, l'enregistrement sera disponible. En général, à ce niveau, il y a deux choses. Voilà, tout à l'heure, dans ce que j'ai fait ici, voilà, vous voyez que voici un exemple tout à l'heure où je viens de finir le cours. Voilà ce qui se passe juste après. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on a fini, si vous revenez sur la page Psycho A, là, vous verrez que la vidéo sera là, comme ça. Elle sera, mais ils vont marquer SP dans 20 jours. Donc, l'enseignant peut. Bon, il c'est comme l'enseignant un peu, il donne d'eau. Il s'est dit, bon, 20 jours, mais le problème, c'est que elle n'est pas sécurisée. Effectivement, pendant 20 jours, après 20 jours, elle ne sera plus là. Les étudiants, eux, n'ont pas les droits pour télécharger. Donc, peut-être qu'ils peuvent lire, mais après, ça disparaît. Et donc, en tant qu'enseignant, ce que nous, on fait, c'est de télécharger. En tant qu'enseignant, on la télécharge. On ne la laisse pas là, on la télécharge pour la mettre sur notre ordinateur. Ça devient un fichier personnel. Yes. Voilà, et après, maintenant, on peut la donner aux étudiants comme un document PDF. Et donc là, ce n'est plus. C'est là pour de bon. Donc, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera disponible. D'accord.
Voilà, il sera disponible pleinement comme un fichier. C'est important parce que dans les révisions, quand on... Vous pouvez vouloir peut-être le TP, vous voulez reprendre une question, vous dites, attends, il a dit pendant la séance, je me rappelle très bien qu'est-ce qu'il avait dit. Donc, en ce moment, quand il y a la vidéo, c'est facile d'aller revoir la vidéo, puis voir exactement l'endroit en question, et puis ça permet de revenir, puis faire le TP. Donc, c'est important que la vidéo soit disponible. Donc, elle sera disponible. Elle sera disponible. Cette première séance, on peut y accéder, il n'y a pas toute la vidéo, pas de la vidéo, mais c'est plus tard que ça. Possible. Non, oui, on peut avoir en même temps. Oui, vous aurez la vidéo. Vous aurez la vidéo. D'accord. Vous aurez la vidéo de toute la séance. Autre préoccupation? Pas pu suivre parce que. Je suis avec professeur Mbala. Qui n'a d'accord, pas pu d'accord. Ouvrir le lien, donc il voulait juste, il a une préconçue en même temps sur mon écran. Oui. Donc, ça veut dire que quand je vais rentrer chez moi, il faudra que je vais, on va dire, mettre mon tige là. Je vais mettre, comment dire, C'est quel nom, Zéa? J'ai pas bien compris le nom, c'est quel nom? Je vous entends, on vous entend plus très bien. C'est bizarre, on vous entend difficilement. Je ne sais pas si les autres entendent, mais moi je n'entends pas. Quand j'essayais de rentrer, il me renvoyait à ce qui s'est passé. Ah ok, c'est maintenant que j'ai... En fait, je ne vous entendais pas. On ne vous entendait pas. Je n'entends pas. Je disais que quand j'ai essayé tout à l'heure de me connecter et travailler avec vous, là, Teams m'envoyait ce qui se passait le 8 juin 2020. Et donc, j'ai du mal. Là, j'ai dit avec François Oté, mais je oui, en fait, c'est quoi tout à l'heure, il demandait votre nom pour voir si le nom. Son nom, c'est. Angbala Aouni. Je me rappelle bien, oui, Aouni, Angbala, oui. Oui, c'est logiquement, vous devez pouvoir connecter. Vous êtes bien enregistré, ça, je me rappelle bien. Okay. Voilà, si vous connectez, vous devez pouvoir accéder à l'équipe, tout. Je me rappelle bien. Retrouver ce qui vient d'être fait là. Voilà. Oui. Merci. Oui, pas de quoi. Et donc, comme il a dit également, il est important de le faire sur vos smartphones aussi. Teams, là, il faut l'installer sur votre téléphone également. Ça devient un autre moyen supplémentaire pour pouvoir se connecter. D'ailleurs, quand on n'a pas l'ordinateur, on peut aussi suivre après le téléphone. Donc, on va dans le Play Store et puis on fait Microsoft Teams et puis vous installez. Voilà, donc il faut le faire aussi. Souvent, c'est important de le faire sur le téléphone également. Oui. OK. L'information. Autre préoccupation? Oui. Ok, bon, maintenant, s'il n'y a pas autre question, je pense qu'on va se dire merci. Donc, merci à tous et à toutes. Ok, merci. Voilà, donc on va se donner rendez-vous à demain. Demain, je crois que c'est à 9h. Voilà. Le TP, c'est juste après qu'on va l'envoyer. Oui, tout de suite. Dès que je me déconnecte, je vous l'envoie. Voilà, donc bon après-midi à tous. Voilà. Merci beaucoup.